Où est-ce qu'on va maintenant? Direction Jeddah. Vous croyez que Cordova peut réparer ce compas? Oh, je suis prêt à parier des crédits. Tu as des crédits à parier? Ça veut dire quoi ce que tu dis? Tanalor, on est si près du but. J'ai hâte de voir Tanalor. Oh, moi aussi. Mais va pas fonder une école de sorcières ou je sais pas quoi. Et n'invite surtout pas tes sœurs. Elles me filent la chair de poule. Mais elles sont là, Liz, tout autour de toi. J'ai senti quelque chose. Gris, t'as senti ça? C'est une blague? Viens par ici, petit gars. On va pas tarder à se poser. Maître Cordova. Dagan Guerra avait le dernier compas, mais il est... endommagé. On peut pas dire qu'il l'ait donné de bon cœur. Ceci est réparable. Je m'y mets tout de suite. Bédé. Laissons Maître Cordova se concentrer. Je connais un endroit sympa. Bien. Si quelqu'un voulait bien me donner un coup de bien main, sûr, ce Grise. Serait gentil. Ah, merci. Ah, ah, vraiment marrant. Ah. Bon, c'est parti. Deuxième tournée. Ah. Alors, c'est comment? C'est fort. C'est très sucré. Tu finiras par t'habituer. Dites, serrez. Venez avec nous sur Tanalor. C'est le refuge idéal pour les archives et le passage. Je ne sais pas ce que le futur nous réserve, mais on peut l'affronter ensemble. Oui. C'est une nouvelle voie pour nous tous. Cal, Maître Tapal serait fier du Jedi que tu es devenu. J'ai eu un bon maître. Écoutez-moi. Le passage a trouvé un nouveau foyer. À Tanalor. À Tanalor. Attends une minute, chérie. Ça veut dire que tu viens avec nous? Oui, Gris. Je vais même commencer à préparer les archives pour leur transport. Il se fait tard, je vais t'accompagner. Dites donc, vous savez où il est, le Mantis? Cet endroit est terrifiant la nuit. Je vais venir avec toi. Oh, super. Mais... pas de tour flippant, hein, d'accord? Et Serré, les Anachorètes viennent vraiment avec nous? Bien sûr, oui. Oh, la famille s'agrandit de toute une bande d'oncles et de tantes flippants. On a réussi. Ouais. Le compas sera bientôt comme neuf. On dirait que t'as la tête ailleurs. Tu me connais trop bien, Ferrier. Je pensais à Kata, c'est tout.
Je sais qu'on s'occupe bien d'elle, mais... c'est toujours compliqué quand je reviens. Quand elle verra ce que t'as fait pour elle, elle comprendra. Ouais, j'espère. Je me dis qu'on devrait peut-être aller d'abord sur Tanalore, histoire d'être sûr que c'est sans danger pour les autres. Plus vite le passage s'installera là-bas, mieux ce sera. Il faut toujours avoir un coup d'avance sur l'Empire. Ouais. Hé. Demain, on aura un nouveau foyer. J'y serais jamais arrivé sans toi, Aboud. Merci, mon frère. Ouais. Et il faut que j'aille enregistrer une histoire pour Kata. Passez une bonne nuit. Tu l'as mérité. Je l'ai vu, hein. La nuit, le désert s'étend à l'infini. Il y a de la beauté dans le vide. Tu parles comme une Jedi. Il pouvait pas se tromper sur tout. Non, pas tout. Écoute... l'ordre n'est plus. Je dois tourner la page. Et... je sais ce que je veux maintenant. T'en as mis du temps. Ça avance ? Voyez par vous-même. Maître Cordova, vous avez réussi. Les impériaux arrivent de tous les côtés. Ils nous ont trouvés. Évacuez les vôtres. Je vais nous faire gagner du temps. Aude. Je pouvais pas faire autrement, Cal. Mais... mon enfant... vous n'aviez pas à faire ça. Non ! Cordova! Il est mort! Boda le compare, rattrape-le! Allez! Baud! Thank you.
chercheurs se dirigent vers les archives. Il essaie de s'enfuir. Ensemble. Tout ça pour que tu le donnes à l'Empire maintenant? Non, je ne le donnerai pas à l'Empire. Tu as tué Maître Cordova! Cal, tu n'as pas le temps pour ce combat. Quelque chose d'horrible va arriver aux archives. Écoute ton instinct. Tu sais que j'ai raison. Qu'est-ce que t'as fait? Si tu veux mettre ta famille à l'abri, fais-les sortir de là. Maintenant. Qu'est-ce que t'as fait? C'est impossible. Tu n'es pas le seul à avoir survécu. Pénètre dans les arcs. Les repousser aussi longtemps que possible. Ah.
Faites distraction pour laisser aux autres le temps d'évacuer les lieux. Tu vas bien ? Oui, mais l'Empire attaque l'entrée principale. Les BD étaient avec le Mantis. Ils évacuent un maximum de gens. Là-bas, des marcheurs ! Il ne faut pas qu'ils franchissent l'entrée principale. Maître Junda, l'Empire a ouvert une brèche dans les tunnels. Ils essaient d'ouvrir la porte du hangar de l'intérieur. Au hangar ! Meryn, tu peux... Bien sûr. Tu me reçois ? Siri, quelle bonne surprise ! Reste sur le Mantis, jusqu'à ce que nous ayons sécurisé le hangar. Bien réussi. Bonne chance à toi. T'as enfoncé la porte ! Repoussez-les ! N'essaie pas de s'enfuir ! Elle est bon ! Continue de se battre! Je mourrai ici s'il le faut. Non.
Ok. C'est la fin. Ils vont détruire le hangar. Alors on doit retourner la situation à notre avantage. Dépêchez-vous, Céré. Vous pouvez pas les retenir plus longtemps. Ça suffit. Comme je suis content de vous voir. Merci pour ton aide. Des nouvelles de Cal? Rien pour le moment. Je suis sûr qu'il va bien. Il a dû désactiver son communicateur. Céré, c'est quoi le plan? On s'échappe avant que le gros de leur force arrive. Puis on se retrouve au point de rendez-vous. Mais d'abord, je dois retourner aux archives. Les codes de contact du passage. Je viens avec vous. Non. J'ai besoin que tu restes ici pour protéger le Mantis. BD, va avec elle. Laisse tourner le moteur, Chris. Ce ne sera pas long. Hé, chérie. Reviens vite. Je crois en toi. Merci, Chris.